Vous savez, des fois, on passe des journées où on fait beaucoup de choses à la fois. Fatigant, il y a des gens qui viennent en retard. Moi, je déteste le retard comme pas possible. Alors, franchement, je trouve que c'est un sérieux manque de respect. Le retard est un sérieux manque de respect. Et je pense que quand une personne te considère, il ne peut pas se permettre de venir en retard. Aujourd'hui, le message est très clair. D'abord, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les anciens. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Merci de votre ponctualité, même si on ne l'est pas toujours. Vous savez, c'est quand même assez compliqué, toute une équipe. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et puis, voilà, c'est. Merci quand même de comprendre. Merci d'être là. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, je voulais. Comme je le disais précédemment, parler à un groupe spécifique de personnes. Comme je le dis souvent, on n'a pas toujours des gens avec qui parler, des gens avec qui échanger sur certains éléments. Et je pense que on peut s'entraider, même en ligne, même à distance, ça peut aider. Je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie aujourd'hui, mais je voudrais que vous compreniez que la vie est une succession de saisons. Il se pourrait que vous soyez dans des conditions très compliquées, très complexes, très difficiles dans votre vie. Votre vie a changé suite à un événement. Parlons même de ce qui se passe actuellement. Vous savez, beaucoup de personnes ont perdu leur job. Beaucoup de personnes ont perdu leurs activités rémunératrices. Beaucoup de personnes ont perdu leurs moyens de revenus. Et ce n'est pas facile. Vous savez, c'est facile pour une personne qui a des moyens alternatifs sur le plan financier aujourd'hui. Mais des tas de personnes traversent un moment très compliqué. Ce n'est pas facile. Je voudrais qu'on comprenne une chose, que tout dans la vie est passager. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes-là. Vous aviez peut-être une belle opportunité dans un environnement génial, une situation qui avait complètement changé votre vie. Et aujourd'hui, vous voyez partir en fumée tout ce que vous aviez pu construire pendant des mois ou peut-être des années. Je voudrais que vous compreniez une chose. Dans la vie, rien n'est permanent. Même pas les bonnes choses. Sera toujours prêt à une succession d'événements. Vous vous souvenez de votre tout premier petit ami ou petite amie, la toute première, le tout premier, hein, celle dont vous disiez si celui-ci ou celle-là me quitte, oh là là, je veux mourir. Vous en souvenez? Où en êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous toujours ensemble? Ok. Êtes-vous mort ou morte? Non, vous êtes là. Vous savez, l'être humain souffre plus dans sa tête que dans sa réalité. L'être humain souffre plus dans ses réflexions, dans son imagination, de ce qui risque d'arriver, de ce qui risque de se passer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de job, il n'y a pas de boulot. Comment ferais-je pour subvenir à mes besoins? Comment pourrais-je entretenir les enfants? Comment ferais-je pour payer le loyer? Mais en réalité, après avoir traversé tout ce qu'il y a comme challenge, vous réalisez que vous êtes là. Vous ne dormez pas dehors. Vous n'êtes pas affamé. Vous êtes en bonne santé. En tout cas, même s'il y a des malades, il y a toujours de quoi subvenir à leurs besoins essentiels. C'est ça la vie. Vous ne comprendrez pas toujours votre vie du début à la fin. Vous n'aurez pas toujours une idée claire et nette sur tout ce que vous allez faire. Où est-ce que vous allez poser pied? Qui pourra vous aider? C'est comme ça la vie. La vie est un mystère. Prenez la vie comme une expérience. Une succession d'expériences. Une première expérience commence, elle laisse place à une nouvelle. Quelqu'un vient dans votre vie, attachez-vous à la personne dans la positivité, ne vous attachez pas trop. C'est comme ça. Les gens viennent et partent. Les gens ne viennent pas nécessairement pour rester dans votre vie. Ça, il faut comprendre. Toutes les personnes que vous rencontrez, bons ou mauvais, et surtout les bons d'ailleurs, ne viennent pas nécessairement pour rester dans votre vie. Donc ne restez pas là trop longtemps. Coincé dans un coin obscur de la vie, pleurant pourquoi cette personne est partie, pourquoi cet ami est parti de ce monde, pourquoi cet ami vous a quitté, pourquoi certaines personnes viendront dans votre vie pour vous apporter des leçons. Des leçons de vie. Il est donc à vous de tirer une leçon de chaque situation, de chaque circonstance. La vie n'est qu'une succession d'événements, une succession d'expériences, un changement constant de climat. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps. L'hiver de votre vie, c'est quand les choses ne marchent pas, quand c'est dur, quand rien n'est. Quand vous pataugez dans la pauvreté, dans la misère, la galère, la peine. L'été, c'est quand tout va bien. Le boulot va bien, la santé est bonne. Tout se passe bien, vos projets réussissent.
Mais sachez que tout ne réussit pas toujours. Mais à quoi servirait une belle vie sans expérience? L'être humain ne vit pas seulement, vit-il seulement pour vivre des bonnes choses et puis mourir? On n'apprécierait pas le pain s'il n'y avait pas la faim. Impossible. Celui qui a déjà passé de nuit sans manger comprend la valeur du pain. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais passé des nuits sans dormir. Voilà, vous êtes privilégiés. Beaucoup ne le comprennent pas. Si vous avez déjà dormi sans mettre quelque chose sous la dent, pas parce que vous ne vouliez pas, mais parce qu'il n'y en avait pas. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, moi, ma vie m'est arrivée très longtemps. J'étais jeune, à peine 20 ans, dans un pays étranger. J'avais fait 3 jours sans manger. Il n'y avait rien à manger. Pas parce que je priais, pas parce que je jeûnais, pas parce que je... Il n'y avait absolument rien à manger. Je n'avais pas d'argent. On m'appelait temporairement pour aller faire des travaux de sorteur. Quand tu fais un travail de sorteur, on te donne un petit rien. Je ne recevais même pas de l'argent en entièreté. On me donnait l'équivalent de presque 10 dollars par nuit. Et avec les 10 dollars, je travaillais une fois par semaine. Avec les 10 dollars, je me démerdais pour essayer d'acheter à manger, pour essayer d'acheter de l'huile, de voir un peu de quoi je parle, et pouvoir manger. On ne m'avait pas appelé pendant 3 semaines. Et c'était le seul moyen par lequel je pouvais avoir de l'argent. Et j'habitais dans une salle de boxe où j'étais travailleur. Bref, les gens s'entraînaient et moi je nettoyais. On m'a permis de dormir là-bas gratuitement. Donc tu peux dormir ici gratuitement, mais tu dois commencer à nettoyer. Après que les clients s'aient entraînés, après que les blancs s'aient entraînés, toi tu viens nettoyer, tu viens tout ça. Comme ça tu peux dormir ici. J'ai fait 3 semaines sans travail. Je n'avais donc pas à manger, pas d'argent, rien du tout. Un jour, là où j'habitais, c'était à côté d'un supermarché. J'ai jeté un coup d'œil dehors, j'avais tellement faim. J'ai vu un pain, un beau pain, un gros pain là dans son sachet, placé quelque part là. Il n'y avait personne. Mais à côté, il y avait une fille, une très jolie fille. J'ai dit, ah, si je veux chercher ce pain, cette fille, si va me... Bon, je vais attendre que les gens disparaissent. Quand les gens partent, je pars chercher le pain. Je suis resté là. Le pain n'appartenait à personne. Quand j'ai encore regardé 5 minutes plus tard, le pain n'était plus là. J'ai réalisé que j'ai laissé passer le pain. À cause de la beauté de la fille, là, je ne voulais pas qu'elle me calcule, disant « Ah, ce gars ici, il est venu chercher le pain. » J'ai pleuré. Je m'en souviens clairement. Ce jour-là, je pleurais de faim. J'ai dit « Seigneur, pourquoi c'est à moi que ça arrive ? » Pourtant, chez nous, on mangeait. Pourtant, chez nous, on était bien. Je n'oublierai jamais. Je vous donne ce message parce que quelqu'un traverse un moment très similaire aujourd'hui. Je veux t'encourager. Moi, j'ai pleuré un pain. Je ne connaissais pas d'où ça venait. Je me suis demandé, est-ce que Dieu m'a montré ce pain pour me provoquer? Je suis affamé, je n'ai rien à manger. Je vois un beau pain dehors, trop frais. Je dis, dès que cette fille sort, je retire le pain. J'ai juste regardé à gauche, à droite, le pain n'était plus là. Mais aujourd'hui, je ne peux plus pleurer pour le pain. Par la grâce du Créateur. La vie est une succession de changements, une succession d'événements. La vie, et quand je parle de ça, il y a des gens qui sont choqués. Il faut lutter, il faut résister, il faut avoir une idée, une vision, une direction claire. Mais ce qui est génial dans cette histoire est que, peu importe le temps que ça prenne, il y aura toujours un changement. Ne vous attachez donc pas à votre situation, disons, ah, j'ai de l'argent, ma vie a changé, ma vie est bonne, tout ça. Faites très attention. Préparez-vous au changement de climat. Préparez-vous à un changement éventuel. Mettez des garde-fous s'il le faut. Créez quelque chose quelque part ailleurs. Sauvegardez si vous pouvez. Mettez de côté si vous pouvez. Ne consommez pas, ne consumez pas tout ce que vous avez parce que vous êtes établi prétendument ou vous pensez avoir compris le système. La vie est un mystère. La vie reste un mystère. Personne ne connaît. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous êtes en peine, en douleur, malade, dans des conditions très difficiles à l'hôpital, sachez une chose, ce n'est qu'une saison. Une saison passagère. Vous avez perdu quelqu'un d'important dans votre vie. Votre mari vous a quitté avec les enfants. C'est douloureux. Mais gardez le cap. Gardez le courage. Ce n'est qu'une saison. Les gens quelquefois viennent et partent. Mais ne partent pas nécessairement pour toujours. Les gens viennent pour participer à certains épisodes de votre histoire. Quelquefois ils reviennent. Ou pas. Il faut s'y habituer. Il faut construire une forteresse. Dans la vie, un projet peut tomber à l'eau. Une idée que vous aviez, un travail sur lequel vous avez beaucoup travaillé, beaucoup investi, peut tomber à l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de reconversion. Vous avez bossé dur pour devenir
quelqu'un, quelque part, dans un secteur bien précis. Vous y avez placé toute votre énergie, toute votre force, toutes vos connaissances. Et vous êtes arrivé quelque part, évidemment. Vous avez commencé à briller, à vous distinguer. Mais soudain, quelque chose de tragique est arrivé. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça a bouleversé tout ce que vous aviez construit. Tout est tombé à l'eau. Ce n'est qu'une saison, un moment temporaire qui va passer. Préparez-vous aux moyens alternatifs. Il faut savoir une chose. C'est bien de vivre une belle vie. Il faut savoir où on va dans la vie. Il faut prévoir. Il faut sauvegarder. Il faut mettre de l'argent de côté. Il faut s'instruire. Il faut lire. Lire avec emphase. Il faut lire. Acquérir de la connaissance. Comprendre des secteurs. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui se passe? Qui pense quoi? Comment réagissent les humains? Comment se comportent les humains? Ça, c'est un élément très important. Je vous présenterai un livre que je vous encouragerai de lire. Il faut connaître les humains pour marcher autour des humains, pour régner autour des humains, pour gagner l'argent des humains. Il faut, pour avoir les faveurs des humains, il faut savoir comment les humains fonctionnent. Je vous encourage encore une fois. J'espère que ce message a touché. J'espère que ce message a touché quelqu'un quelque part. Bon courage à vous. Laissez un commentaire si vous avez été touché. Vous avez quelque chose à rajouter. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.